Bonjour à tous, c'est Mathias. Cette fois-ci, comme je vous ai promis dans l'autre vidéo, que j'allais filmer le jour. Et en fait, je me suis dit, tiens, là, je suis pas en vélo comme ça pour mieux voir. En même temps, là, je marche au marché Noël. Et donc, je peux pas vraiment filmer comme la dernière fois parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis que 37, donc je vais faire jusqu'à qu'on arrive au bout du chemin. Et le chemin que là vous voyez, c'est le chemin que j'ai pris hier soir. Non, mais que je vais. Je... Si, si, que j'ai pris hier soir. C'est ce chemin-là. Et en fait, l'endroit qui m'ont fait peur, c'était vers cette zone. Jusqu'à vers là-bas. Oui, là, vous voyez que je peux filmer. C'est surtout parce que. Là, il fait pas vraiment très froid. C'est vrai, là, parce que là, il fait pas vraiment très froid. Donc, voilà. Donc là, j'ai enlevé mon gant. Et je sais pas si vous avez réussi à voir que c'est la luminosité. Mais voilà, c'est ça un peu le village. C'est ça le village que la dernière fois, je vous ai montré. La vue. Je vous montre un petit peu en haut aussi. Derrière. Après, quand je me suis arrêté et j'ai dit et que j'ai dit, je sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai hier soir, quand je suis monté sur le chemin, il faisait encore un petit peu plus de jour, il y avait des gens. Je pense que vous avez dû entendre le bruit du moteur, donc il y avait des gens. Et ces personnes-là, ils étaient le soir en train de repasser avec la sorte de machine qui souffle pour les feuilles là. Vous savez, les sortes de machines qui sont sur le côté et tu passes comme ça là. Et les feuilles s'envolent avec un gros tuyau noir. Ils sont en train, en fait, c'est le familier à ramasser les feuilles. Donc je trouvais ça bizarre à cette heure-là, en plus qu'il faisait un peu plus sombre et qu'il faisait noir. Qui faisait un peu plus sombre. Et en plus, à cette heure-là, je trouve ça un peu bizarre de boucan. Voilà, donc c'était juste dans cette zone. C'était dans cette zone-là. C'est la part où là. C'est dans cette zone. Donc là, je sais pas si c'est encore congelé. Là, comme vous pouvez voir, j'arrive parce que la maison blanche, là, c'est-à-dire que c'est vers la fin. Donc je suis presque à la fin. Ça va, c'est encore congelé, donc je. Je vais mettre un endroit qui n'a pas beaucoup d'arbres. Je vais remettre un endroit comme j'ai montré le lac. Donc voilà. Ça, moi, on peut vraiment voir où ça s'est congelé ou pas. Ça a un petit peu changé. La dernière fois, c'était vraiment que congelé au milieu. C'est ça qui était impressionnant. C'était au milieu qui était congelé. Ça faisait un cercle. Là, c'est ça un peu. Là, c'est ça un petit peu croisé. Enfin, croisé, je parle le truc. Vous voyez là, je suis au bout du chemin. Voilà. Vous voyez le lac. Ah, c'est bien là, je peux zoomer. J'aime bien, j'en peux, j'adore ce lac. Je sais pas pourquoi en fait il y a un poteau en plein milieu. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça, j'arrive pas à comprendre. Par contre, sur le lac de la piscine, enfin après la piscine, il y a aussi un lac. Et au milieu du lac, à peu près au milieu du lac, il y a une petite île. Et sur cette petite île, au départ, il y avait une maison, mais maintenant, j'ai plus. Ça fait longtemps que je peux y aller. Voilà, ça fait quelques années, il n'est plus. Donc là, je vais vous laisser. En fait, le chemin que je voulais y aller, c'était vers là aussi. Pas tout droit, après là, on tourne. Voilà. Et là, je vous montre encore le dernier point. Parce que là, je ne veux pas passer par la bicyclette. Donc voilà le point quand j'étais étonné qu'il y avait là c'est beaucoup éclairé pour ça la vue. Voilà, donc là je vais vous laisser et je vais vous dire au revoir et prochaine à la prochaine.